Ah, les vacances, tout est permis. Dans le petit village de Vermoyal, Club Med grandeur nature, nos bronzés d'un jour ont trouvé du soleil et des nanas et vous invitent à prendre part à leur danse festive et estivale, le grand Darli Dila Dada. Quel cadre de tournage idéal, un si beau village, des habitants accueillants et sa gastronomie. Situé tout près de la capitale de la lentille, c'est néanmoins un plat typique que de notre région que nos trois comparses, le Claude, le Bombay et la Denrée, vont déguster, sans en mesurer les non moins négligeables effets secondaires. Une traditionnelle soupe au chou. Est-ce qu'elle vient de loin, du coup, par la denrée? Ah, le voilà qui l'a fait. Ça se coupe. Ça se coupe. Ah, ils comprennent rien. Oh, il y a trop de soupe.
Allez, madame. Oh, tu m'as un bel an de soupe, oui. La combi pas. Mais c'est qu'il y en a de soupe. La poutine. Ah, tu m'as d'enri. Vous voyez un canut, bien ou? C'est un canut, là, d'enri. Viens, le canut, tu Bien beau. Au nom de Dieu, on donne. Viens, le canut. On va faire ma franchise. On regarde. Le temps des cadeaux. Si notre Thérèse locale n'est pas très douée pour le carreau et la dentelle, que vous dire de ses talents de tricoteuse? Pauvre Pierre, quelle déconfiture l'attend à l'ouverture de son cadeau. Le Père Noël est vraiment une ordure. Silence, on tourne. Je ne devrais pas dire ça, Thérèse, mais ça me fiche le pendant de voir personne de déprimer. Oui, c'est vrai, effectivement. J'ai pratiquement terminé mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Je trouve ça complètement inutile, Pierre. C'est tout la Croix-Rouge. Ils me demandent de faire des gants à trois doigts. Vous ne croyez pas que j'aurais plus vite fait de faire des moufles? Entre nous, Thérèse, une bonne paire de chaussettes et... Oh, bah, Pierre, quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise? Dites, Pierre, les cadeaux, si on se les offre maintenant, alors on attend noir. Oh, vous avez raison, bon, que c'est calme. À partir de minuit, il y a toujours le coup de feu. D'accord, allez, c'est parti. Voilà, Pierre, joyeux Noël, Pierre. Oh, c'est gentil, Pierre. Voilà. Merci. Mais ouvrez d'abord, hein. Ah bah déjà, de l'extérieur, c'est magnifique. C'est pas mal non plus. Ah. Ah. Oh. Ah, oh, une serpillère. C'est formidable. Je peux pas te décevoir, Pierre, c'est un gilet, hein. Ah bah oui. Bah oui, c'est un gilet. Il y a des trop plus grands que pour les bras. Ah bah oui. Ah oui. Eh oui. Bah écoutez, c'est vrai, je suis ravi. Je suis content que ça vous plaise, que j'ai fait de tête, voilà. Écoutez, des pulls verts, j'en ai plein des placards. Justement, je me disais qu'il me manquait quelque chose pour sortir les poubelles. Écoutez, c'est à vous plaisir. Moi aussi, je l'ai fait de tête. Ah. J'ai pas une toile pour vous. Oh, c'est trop gentil. Alors, il se peut que vous soyez un petit peu surprise. Ah. Je vous demanderai de vous asseoir. Ah, d'accord. Je crains le pire. Je crains le pire. Vous aimez toujours les animaux? J'adore les animaux. J'adore les animaux. Et la danse? J'étais très douée quand j'étais jeune. Ah, bah, ça devrait vous plaire, alors. Ça devrait vous plaire. J'ai hâte de voir, Pierre. C'est très très frais, comme peinture. C'est quand même particulier, Pierre. Hein. C'est ma période charcuterie. Je m'aperçois que je vous ai un peu...
peu raté. Peut-être la coiffure, peut-être. Parce que ça voudrait dire que... Oui, et là, ça veut dire que le port, ce serait vous, Pierre ? C'est cela, oui. Écoutez, Thérèse, j'aime pas trop parler de ma peinture. Il vaudrait mieux que vous oubliez. Bah merci quand tout de même, Pierre. Hein, c'est très gentil. C'est le geste qui compte. Après. Ah. Merci, je suis très flattée. Merci beaucoup. Par contre, écoutez, ça ne vous dérange pas si je retourne le tableau parce que je n'ai pas de cousine ZZ qui doit venir. J'espère qu'elle soit choquée que je sois avec ce porc. Voilà. Voilà. On la garde. Trop petite. Explication incompréhensible. Écriture illisible. ZZ. Épouse. X ou Y. Réponse bien de ceci pour remplir le légendaire et archaïque formulaire de la Sécu. Silence en tourne. Ah, je m'assois. Hein. Assieds-toi. Alors, 2-53-07-06-061-280. Je comprends pas, ça tient pas dans les cases. Il n'y a pas assez de place. Non, recommence doucement, Zézette. Alors, oui. 2-53-07-061-200. Eh bien voilà. Et c'est bien ça, c'est tout la sécu, ça. Il vous donne un numéro, ça va même pas dans les cases. Regardez ça. Mais, évidemment. C'est pour la date de naissance, là. Ah non. Ma date de naissance, je l'ai déjà mise là. Oui, mais là... C'est pour votre nom, vous voyez? Vous avez une ligne de retard sur tout, alors il faut tout refaire. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Alors évidemment, ça rentre dans les cases. On vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépasse. Mais évidemment, ça dépasse. C'est ce que je vous dis depuis une heure. Je n'ai pas pu l'être. Qu'une autre, quand même. Qu'est-ce que vous avez écrit là? Zizette, épouse X? Zézette, épouse X. Ah oui, bah excusez-moi. Vous ne savez pas lire. C'est écrit en tout petit, vous voyez. C'est écrit pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de jeune fille... Suivi de, deux points, épouse X. Alors moi, Zémi Zézette, épouse X. Moi. Très bien. Coupé. On le voit quand dans ma vie il faisait froid. Silence retourne. Et neige, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Ah, notre pauvre Jean-Claudius n'est pas prêt de conclure. Et notre bronzé n'est pas prêt d'oublier ses vacances au sport d'hiver. Silence retourne. Avec les nuls, ça ira pas mieux, hein. Bravo. Ah, 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 ah,
je tiens pas. C'est toi là. Bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre que vos amis viennent vous chercher maintenant. Peut-être qu'ils auront faim après leur aventure. Ah, mais non, mais on ne peut pas abuser. Hein. Vous avez déjà été tellement gentil. On va y aller, là. Hein, oui, hein? On va y aller. Moi, franchement, je crade de faim. On va dire, non, finalement, j'ai un petit creux. Bon, bah alors, il faut le dire. Oh. Vous sentez comme ça sent bon, le feu de bois? Ah oui. Et puis, c'est mignon chez eux, hein. On mangerait par terre. Tu es sûr que c'est du jambon cru de montagne? Et tu as encore le jambon eux-mêmes? Moi, j'ai tellement faim que vous ferez n'importe quoi. Oh, vous avez vu cette dentelle? Il a si bien. Ah ouais, c'est tout à fait. Ah ouais. Ils ont même la télé. Oh oui. Oh oui, hein. C'est bien, on dirait pas hein, dans leur montagne. Oh là, c'est pas de la baguette. C'est moi qui l'ai fait. On va vous faire goûter une spécialité de la Légion. Ça va être bon. Oh là là. Ça s'appelle la foule. Ah, celle-là, elle est bien à point. Hein. Sentez-moi ça. Oh. C'est du fromage. Comme chez nous, c'est comme chez nous. Soirée, moi c'est bon. C'est pire que ça. Ah ben t'avais pas mal, c'est pire que ça. Un fort boyard là. Allez, François Dominique. François Dominique. Allez. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Ah ben ça, c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Voilà. Alors on fait macérer ça avec du gras, de l'alcool de bois. On laisse 2-3 saisons. Et puis il y a les couennes aussi. Hein. Ah mais c'est ça, hein. On sent bien le gras là. Mange petit, je veux bien un vrai montagnard. Il n'y a rien tel pour se faire une bonne santé. Ah ça passe pas inaperçu là. Hein. Elle est pas. Oh là là. Elle lèche les doigts, c'est déjà pas mal. C'est quoi ces petits trucs qu'il y a dans la dedans? Ah ben ça, c'est les verres, comme ça, il y a la viande aussi. Si on voit, moi je suis végétarien. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Oh non! Dégueulasse! Bon, voilà, écoutez, messieurs, on vous remercie beaucoup de votre hospitalité, mais là, on va y aller. Hein. Oh, ben, vous n'avez pas parti, on va un petit coup quand même! Ah non, non! Ah, non, un petit coup! Ah, cherchez la bouteille. Même lui, il n'en veut pas. Allez, oui, c'est quand même un peu dur avec eux. Oui, ils sont charmants. Hein. Ouais. C'est la moindre des politesses. On sera encore dans la montagne. Oui, ça va être nettoyé. Et dites-moi, comment vous faites pour faire entrer le crapaud là-dedans? Ah ben ça, c'est très simple. Hein. On le fait sécher, il devient tout fin. Et puis après, il rentre dans la bouteille, il gonfle avec l'humidité. Allez. Ah!
Merci. 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 Écoute, ah ben. C'est très bon. Alors ça, il faut boire plus sec, sinon c'est au bout de la langue. Ah, ça fait du bien. À vous. Ah. Merci. Hein. Bonne chance, surtout. Ah, oh, ça débouche la chiotte, ça. Ah, c'est pas quoi, ça fait moins bien, ça. Qu'est-ce que c'est, cette merde? Un liqueur de chalon. Ah ouais, mais relevé au judaï. Si vous les chalotes tout seul, c'est un peu fatal. Bien prêté, hein. C'est pas bon. Bon, alors vôtre. Oh la vache, oui, oui. Wow. Non. Oh, c'est bien. On regarde. On Comment, comment vous parlez de ce petit point tranquille de ce cas? Nous allons passer à temps, messieurs. Boxeur? Catcheur? Qu'est-ce qu'il dit? Vous faites un rallye. Qu'est-ce donc? Vous tournez dans un film avec quelqu'un de connu? C'est pour Arte. Mais arrête de les assommer avec tes questions. Tu vois bien que tu les fatigues. On ne peut plus parler. Hein, je vous fatigue? Oui, certes. Il va continuer longtemps, c'est ça? Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient un casse-pied. Êtes-vous sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table? C'est gênant. Ah non, il n'est point oublié, il ne sait pas manger. Il est déjà heureux de manger nos restes. Hein, mon fidèle? Oh, ma fille, ma fille! Et là, il écrase la patate sur mon tapis. Oh, ça suffit, venez à table avec nous. Ah, non. Ça te gênerait. Ah non, Jacouille, ça te gênerait de venir à table avec nous. Ah non, que de nez. Non, j'attends. Non. Allez, obéis-la. On va nous l'ordonne. Allez, viens. Ce sera plus sympa. Ah, tiens-toi comme il faut. Voilà, c'est plus sympa quand même. Ma douce fillotte. Oh, mon beau cousin. Si tu vis dans ce piètre logis, à qui appartient notre château? Jacques Henri Jacques, un garçon assez nouveau riche, un peu précieux de la famille de nos anciens métayers. Quoi? C'est un gueux qui possède notre château? Un gueux! Quoi, un gueux? Je vous en prie. Jean-Pierre est aussi un gueux et c'est un mari très sympa. Lui, un gueux! Là, je peux plus manger, là, j'ai plus faim. Non, c'est vrai. Là, on est trop. J'ai même envie de vomir. Tu as entendu ce que j'ai entendu? Ah non, je n'ai rien entendu. Pardonnez ce marouf, mais il est si triste d'apprendre que mon mirail appartient à un gueux. N'est-ce pas, ma mon fillot? Ah! Et on lui perd le vent! Comment ça y est, Philippe? Ma douce et lumineuse fillotte, il me serait de cesse de réparer cette infamie. Et ce jacquard va vous rendre ce château contre écus sonnant et trébuchant. Et s'il s'y refuse, je les tripe. Et on lui perdra le genre comme au pailli du Limousin, qu'on a pendu à vos patins, qu'on a pendu avec ses tripes. Ok. Mais sûr. Ah oui, non. Prends qui? Jacouille. Ah. Où sont les poulards? J'ai faim. Vous avez pendre qui, au fait Jacquard le gueux. Où sont les veaux, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre que l'on ripaille à plein ventre pour réparer cette infamie? Où y en aurait-il pas des porcelets, des cygnes bien poivrés? Ces mises en bouche m'ont mis en appétit. Vous avez encore faim? Certes.
Et on lui pèlera le doigt comme au pays du Limousin. Qu'on a pendu un beau matin, qu'on a pendu avec ses tripes. Mais tire, je m'en vais retrouver dans le gymnase. On la garde. C'est un fou. L'Auvergnat n'est pas radin. Il a seulement les bras trop courts et les poches profondes. N'y voyez ni avarice, ni fourberie. Tout le contraire de ce fourbe et manipulateur de Don Salustre, ministre de la police et des finances à la cour d'Espagne, se remplissant malhonnêtement les poches. Mais c'est sans compter sur son valet, le grand Blaze. Ah, la folie des grandeurs! Il est l'or, monseigneur! Silence, on tourne. Monseigneur, il est là. Monseigneur, il est là. Monseigneur, il est là. Ah, j'en suis sort. Cherche ça sous le lit. Allez, cherche. Allez. Et cherche quand même. Allez là. Ah voilà. Je t'avais bien dit qu'il m'a manqué une. Incroyable. Un plus petit. Hop. Si on avait su, on l'aurait ramassé. Voilà. On est là. Là. Allez, à le con. Plus petit. On l'arrête. Attends, place à la reine. On la gagne. Non. Place à la reine. Place à la reine. Place à la reine. La reine, dépêche-toi, bimbo. Pour mériter l'estime publique, qui est le plus bel apanage du mérite et de la vertu, l'homme, même s'il n'est pas de notre profession, d'être profondément attaché au contraire. Et quand toutes ces bretelles lui tombent, la perte de son bonheur sera plus intelligente que la perte de la vie. Car la réalité n'est pas toujours conforme aux apparences, surtout devant sa reine. Là, ça l'arrête. Moi aussi, je suis ici. Oh, ma reine. Eh bien, là, le pays, oh, là. Oh, ma belle reine. Ma jeune belle. Il y a là, le pays, là, justement. Il y a là. Donc, salut. Vous avoir fait un enfant à Madame d'honneur. Ah non, 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 non. Vous reconnaissez? Non, non. Oh. Donc, salut. Je vous répudie. Oh non. Ah. Oui. On la garde. Ne reprenez surtout avec pas. Ne reprenez surtout pas avec moi tout son cœur. Chut. Entrons dans le secret du confessionnal. Et le petit monde de Don Camillo vous sera révélé, si Dieu le veut. Silence, on tourne. Bonjour, monsieur l'archiprêtre. Bonsoir, monsieur le maire. Ah, c'est pas le maire aujourd'hui qui vient vous voir. C'est le chrétien. Ah. Je viens me confesser. Ah bon? Eh oui. Depuis combien de temps ne vous êtes pas confessé? Surtout avec les idées que vous avez. 1918.
1918. Eh oui. Eh ben dis donc. Allez, venez. 1918. C'est ça bien. Oula. Alors, tout d'abord, bon, je dois dire que j'ai quand même un peu menti hein, dans toutes ces années. Des gros mensonges? Ah, des petits, des gros, hein, voilà. Ah ben, moi... Bah oui. Et puis alors, en tant que mère, enfin ça c'est comme tous les maires, hein, je pense. J'ai pas été très honnête, hein, avec mes administrés. Ah bon? Oui, oui, oui. Voilà, donc je me repens. Eh bien, dis donc, c'est... Bah, vos seuls péchés? Ben, il y en a un. Il n'est pas bien gros, mais il vous concerne particulièrement, mon père. Dites-moi. Eh ben, voilà, il y a 2 mois, quand vous portiez des œufs frais dans un panier, c'est moi qui vous ai battu. C'était vous, mon fils? Oui, c'était moi. Je vous avais même battu avec un bois de chêne vert, frais coupé. Ah, vous me réciterez 2 pater et 10 ave. In nomine Patris, in Spiritus, Sancti, Amen. Amen. Jésus, je le pulvérise. Seigneur, si j'étais votre serviteur, laissez-moi lui casser ce cierge sur le dos. Un tout petit cierge, une bougie. Non, tes mains sont faites pour bénir, non pour frapper. Mes mains sont faites pour bénir, mais pas mes pieds. On la garde. À pied? À cheval? En voiture? En bateau à voile? Mais non, une bonne vieille mobilette, tonitruante, pétaradante, mais qui roulera jusqu'au bout du monde. Du moins notre monde d'une journée à Vermoyale. Pour une chorégraphie que notre Rabbi Jacob local vous invite à partager. Au diable rhumatisme, joie et bonne humeur seront au rendez-vous. Et que la fête continue. J'ai levé ma robe, maman, pour m'assurer. Silence, on tourne. À chaque fois, je ne fais jamais la gueule. Ouais. Je suis contente de te voir. Je suis contente. Bienvenue. Mon cousin Rabbi. Il vient de loin, mon cousin Rabbi. La musique. Musique. Hey!
raconter la petite troupe de l'homme royal qui a essayé de faire revivre les scènes cultes du cinéma. Dans la soupe chou, je vous présente Thierry qui jouait le rôle du bombé, Papy Louis qui jouait le rôle du blob, et moi qui jouais la denrée. Dans le panel aujourd'hui, je vous présente Pascal qui joue le rôle de Pierre, Jean-Claude qui joue la Palestine, Nicole, Juliette et Dominique Thérèse. Avancez-vous. Dans le Brigitte Palestine, je vous présente Yves qui joue Jean-Claude, Pascal Thérèse qui joue le paysan, Dominique Gigi, Valérie qui Valérie et Christian. Dans les militaires, je vous présente Judith et Jacques-Claude Gomirail, Gilbert Jacou, Martin Béa, Michel Jean-Pierre. Dans la folie des grandeurs, je vous présente Christian, Donc-Alus, Yves, Blaise, Lily, la reine, François, Nicole, le courtisan, Pauline, la fille de la reine, et Jean-Louis, le garde. Dans Donc-Alus, je vous présente Michel, le curé, Michel, le maire, et Didier, le bon Dieu. Dans le rôle du réalisateur, Marcel. Ouais. Merci à vous. Dans le rôle du narrateur, Michel. Ouais. Dans le rôle du perchiste, Pascal. Ouais. Nathan qui s'occupe du fait. Noélie et Patrick à la caméra. Ouais.